Tony Robbins est le meilleur formateur, coach, conférencier de qui j'ai pu apprendre. Et je considère que les leçons qu'il enseigne sont très précieuses pour tout le monde. Si vous êtes une personne créative et légèrement spirituelle, vous pourriez avoir l'impression que les méthodes qu'utilise Tony Robbins ne sont pas faites pour vous et ne fonctionneraient pas pour vous. Et ça va. Et même si je connaissais déjà Tony Robbins par ses interventions, la sortie sur Netflix de « I am not your guru » en fait m'a vraiment fait évoluer encore plus cette pensée. Et aujourd'hui, je sais que je veux absolument, une fois dans ma vie, bientôt j'espère, pouvoir participer à une de ces interventions. Et même si le ticket est à 5 000 $. Bon, on s'éloigne du sujet. Ce que je voulais dire, c'est que lors de ces derniers mois, j'ai étudié un peu plus ces mojos, ces conseils, ces valeurs, tout ce qui concerne le business et pas que. Et donc, j'ai voulu partager avec vous les 10 points à retenir pour maîtriser son business par Tony Robbins. Allez, c'est parti! Le point numéro 1, c'est qu'il faut tomber amoureux de vos clients, pas de vos produits ou de vos services. Et je trouve ça énorme. La plupart des entreprises, finalement, se concentrent uniquement sur ce qu'ils sont eux, leurs valeurs, leurs produits, leurs services. Mais on ne le dira jamais assez. Qu'est-ce qui est important? C'est votre client, parce que c'est lui qui va acheter. Et donc, vous devez savoir comment le rendre heureux et comment le faire venir à vous. Le point numéro 2, c'est de mettre de l'ordre dans ses finances. Alors, ça paraît hyper logique, mais il y a de nombreux consultants, entrepreneurs qui échouent finalement dans ce domaine. Et comme tout le monde, j'ai dans le passé fait aussi pas mal d'erreurs à ce sujet-là. En fait, qu'est-ce qu'on dit quand on parle de mettre de l'ordre dans ses finances? C'est qu'il faut séparer ses finances concernant la vie privée et les finances concernant son business. Même si votre business est en démarrage et qu'il est pour l'instant avec des finances qui sont très faciles à gérer et très faciles à visualiser. Mais le truc, c'est qu'au fur et à mesure que vous allez grandir et que vous allez donc vouloir être durable et rentable, en tout cas, c'est l'objectif, vous allez devoir examiner vos finances, détailler, analyser. Et donc, en ayant des comptes séparés, aussi bien des journaux de compte, des journaux de bord, aussi bien d'un côté le personnel, d'un côté le professionnel, vous allez pouvoir tout de suite voir ces détails justement. Et ainsi, vous allez déterminer si votre entreprise, eh bien, elle est saine ou pas. Et si elle ne l'est pas, vous allez pouvoir tout de suite intervenir là où il faut régler les problèmes, etc. Alors le point numéro 3 me fait un petit peu rire dans la façon de l'exprimer. En fait, il faut que vous assuriez de développer une base de fans complètement en délire. Alors on pourrait se croire, se prendre pour un artiste, mais non, c'est pas le cas. C'est vraiment ça le terme employé. Je l'ai traduit hein, forcément, mais voilà, c'est vraiment déterminer une base de fans qui sont en délire, délirantes. Parce qu'en fait, ce que vous voulez, c'est que vos clients, qui sont déjà satisfaits, qui sont heureux parce que vous êtes tombés amoureux d'eux, hein, tout ce qu'on a dit avant, eh bien, ils partagent auprès de leurs connaissances, de leur famille, de leurs amis, sur les réseaux sociaux. Ils partagent l'expérience qu'ils ont eue avec vous. Ils partagent l'expérience qu'ils ont eue avec vos produits ou vos services. On veut qu'ils disent au reste du monde à quel point c'est génial de travailler avec vous. Et donc, grâce à ça, ça va vous maintenir en croissance durablement parce qu'il faut savoir que dans le monde des affaires, il y a une récession tous les 8 à 10 ans. Et donc, grâce à cette clientèle fiable et qui vous aide finalement à commercialiser, eh bien, vous allez pouvoir passer l'hiver, hein, ok ? Et puis, il faut voir ça comme un jeu. Hein. On est heureux quand nos clients sont heureux, donc on va essayer de les rendre heureux pour se rendre plus heureux. Enfin, voilà, c'est une idée, hein, mais il faut voir ça comme un jeu. Ensuite, il faut ajouter toujours plus de valeur pour votre client. Qu'il s'agisse de créer des offres qui répondent à leurs attentes ou des programmes sur mesure, il faut les surprendre. Il faut servir vos clients au meilleur de votre capacité, même au-delà de ça. Il faut toujours vous assurer que vous en faites plus que vos concurrents. Offrez plus, offrez du contenu gratuit. Cette vidéo YouTube, c'est du contenu gratuit. Et en fait, tout ça, ça va créer une image de valeur de votre entreprise. Donc en fait, quand vous créez une offre en rajoutant ce plus, ce que vous voulez, c'est prendre de l'avance sur vos concurrents ou en tout cas, au moins vous différencier. Et donc pour ce faire, ça demande de la recherche, de la réflexion. Et encore une fois, si votre client, vous le connaissez sur le bout des doigts, vous saurez exactement ce que vous pouvez lui servir. Alors, vous savez que je parle souvent hein, d'entrepreneuriat à distance, liberté géographique, et donc ça va dans ce sens, en tout cas le point qui arrive va dans ce sens. Il faut que vous ayez un deuxième business, une deuxième activité. Alors, je m'explique. En fait, c'est réellement valable pour les freelances, les consultants, ce genre de métier de service.
Parce que si demain, il y a une évolution en votre défaveur, un effondrement du marché ou quoi que ce soit, vous avez de quoi rebondir tout de suite. Et donc cette deuxième activité, ça peut être une deuxième activité à proprement dit en termes de travail, mais ça peut être aussi des investissements immobiliers, des biens, tout ce que vous voudrez qui vous rapporte donc des revenus passifs ou actifs. En plus, ça vous rapproche encore plus de la case entrepreneur plutôt que de la case opérationnelle. Le point suivant, je pense qu'il est assez important et on fait partie, et je me mets dedans, on est souvent malheureusement en train de faire ça. En fait, vous devez absolument arrêter d'échanger votre temps pour de l'argent. Quand vous commencez en tant que freelance ou en ayant une activité de nomade digital, entrepreneur à la maison, enfin en tout cas quand vous commencez une activité par vous-même, à distance, par exemple créateur de contenu, graphiste, web designer, traducteur, au début vous faites un travail par rapport à un contrat, donc le temps que vous avez c'est de l'argent, d'accord? Et bien ça suffit. Vous devez absolument créer une offre qui est basée sur une valeur et non pas sur un temps de travail. Et en les incorporant à d'autres services, à d'autres produits, à d'autres activités, finalement à d'autres sources de revenus, vous aurez donc plus de temps pour vous ou pour faire d'autres choses et donc avoir ce revenu entre vos mains. Ensuite, il faut maîtriser le tunnel de vente, l'entonnoir quoi, hein. Pas toujours facile de l'anglais vers le français dans les termes marketing. Et donc ce tunnel de vente, il faut, puisqu'il est comme ça, hein, il faut absolument que la base, il faut la garder assez étroite, assez serrée. Souvent, quand on démarre une entreprise, on est en haut de ce tunnel là, voilà, on va faire un petit schéma ici, ce sera plus simple. On est en haut de ce tunnel et on veut absolument que notre offre réponde à la plus grosse masse, quantité de personnes et de clients. Et c'est tout à fait compréhensible. On démarre, on veut gagner de l'argent, donc on va faire de la masse. Mais ce n'est pas comme ça que ça fonctionne. Parce que si on fait tout, finalement, on ne fait rien. Si on répond à tout le monde, finalement, on ne répond à personne. Donc, ce que vous devez faire, vous devez vous concentrer sur un type de client, sur une niche précisément. Et à ce moment-là, vous pourrez réellement mieux répondre aux besoins de votre client. Et donc, vous allez produire un meilleur travail et vos clients vont être heureux si vous êtes heureux. Si vos clients sont heureux, vous êtes heureux, etc. C'est le cercle vicieux, d'accord ? Le prochain conseil, c'est que faire de nos affaires, de notre business, un jeu spirituel. C'est mon préféré, c'est mon conseil favori. On sait bien qu'on fait du business pour gagner de l'argent. C'est un fait, c'est comme ça. Mais ça ne signifie pas que vous ne pouvez pas, un, aimer ce que vous faites, ça paraît logique, mais aimer les gens avec qui vous travaillez, aimer vos clients et que vous ayez envie de les aider. Les services que vous leur proposez, ce n'est pas une notion uniquement d'argent. C'est peut-être aussi par une envie de les accompagner. Les gens, par exemple, qui ont développé une boutique, qu'elle soit en ligne ou pas, de produits zéro déchet. Vous savez, ces fameuses brosses à dents en bambou, qui sont donc plus en plastique, ou des conteneurs en verre et non plus en plastique. Enfin voilà, tous ces produits qui sont, j'allais dire à la mode, mais nécessaires. Voilà, tous ces gens qui ont créé des boutiques, qui ont créé des business autour du zéro déchet. Bien sûr qu'ils en font une activité où ils ont une rentrée d'argent. Mais en réalité, ils ont aussi cette notion de vouloir aider, que ce soit la planète, les gens, leurs propres enfants, leurs descendants, quelle que soit leur raison, à un moment, il y a la notion d'aider quelque chose, d'aider quelqu'un. Et donc, c'est ce qu'il faut que vous vous demandiez. Quelle est la valeur? Qu'est-ce qui va faire que je peux aider les autres? En tout cas, mon client idéal. Comment je peux l'aider à faire quelque chose maintenant qu'il ne pouvait pas faire seul avant? Ensuite, et on reconnaît bien Tony Robbins, il faut gérer soigneusement soi-même, son côté personnel. Et c'est vrai, en tant qu'entrepreneur, on a souvent du mal à prendre le temps de prendre soin de soi. Il y en a qui disent « j'ai pas le temps ». Non, 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 c'est pas vrai, on ne prend pas le temps. Et je suis la première à faire ça, à faire beaucoup d'heures de travail, à pas faire assez d'exercices, voilà, d'accord ? C'est très facile de sauter un repas, de se concentrer trop fort. Voilà, tout ce que je viens d'énumérer. Pas d'exercice, manger rapidement, voilà, pas prendre soin de soi. Et en fait, ce qu'on ne se rend pas compte, c'est qu'en faisant ça, ça implique qu'on ne se concentre absolument pas aussi bien qu'on ne le pourrait, même sur les tâches de travail.
Parce qu'en fait, si on ne s'écoute pas, on fait le travail, alors que peut-être que dans un café, on serait plus créatif, peut-être qu'à la maison, on serait plus concentré lorsqu'il s'agit, je ne sais pas, d'écrire. Il faut en fait s'écouter un peu plus, prendre un peu plus de temps, un peu plus de recul pour être finalement beaucoup plus efficace dans notre travail. Et si on est plus efficace, on a plus de temps et donc encore une fois, c'est un cercle vicieux. Enfin, en bonus, il faut absolument tout mesurer. Toutes les entreprises font ça. Elles mesurent leurs résultats, elles mesurent leur communication, leur retour sur investissement, etc., etc. Et quand on est un entrepreneur et une toute petite entreprise et qu'on démarre, souvent, on a tendance à l'oublier. Si vous ne mesurez pas ce que vous faites, comment voulez-vous savoir ce qui fonctionne ou non ? Parce que finalement, si vous ne mesurez rien, tout ce que vous faites, ce ne sont que des suppositions à l'aveugle. Donc assurez-vous de regarder toutes vos analyses, les réseaux sociaux, le Google Analytics, vos retours sur investissement, vos frais, etc. pour pouvoir voir là où il y a peut-être potentiellement des changements à aborder. Donc en fait, Tony Robbins, ce n'est pas un gourou, ce n'est pas le génie de tous les entrepreneurs. Par contre, ce qu'il nous offre, c'est une vision assez claire de la façon dont on doit gérer son business pour qu'en tout cas, il soit fonctionnel. Et ce qu'il y a de bien dans tout ça, c'est que cela porte aussi bien sur l'aspect opérationnel, technique d'un business, mais également sur le développement personnel. Et je trouve ça assez intelligent parce que la vie, ce n'est pas simplement soit le côté privé, soit l'entreprise. En fait, c'est tout ça cumulé. Et oui, notre job, ce n'est pas un à côté. Ça fait partie intégrante de notre vie. On y passe quand même pas mal de temps. Et c'est comme ça que maintenant, j'essaie de gérer au mieux mes activités et que j'essaie d'enseigner en tout cas de transmettre ceci à mes clients, mes élèves, etc. Merci d'avoir regardé cette vidéo jusqu'au bout, j'espère qu'elle vous a plu. Je sors une vidéo au moins toutes les semaines, donc n'hésitez pas à vous abonner pour ne rien rater. Et si vous souhaitez vous-même être entrepreneur, vous pouvez télécharger gratuitement dans la description les étapes pour développer vous-même votre business. Sur ce, je vous souhaite une très belle journée, je vous fais plein de bisous et à bientôt. Bye bye. Thank you.